Aujourd'hui, on va découvrir un tout petit village qui est perdu au fin fond de l'Autriche. Bienvenue à Vienne. Capitale dit grande ville. Les transports en commun sont très bien desservis. Vous avez le bus, le tramway, le métro ou encore les calèches, ainsi que le vélo. Il y a également beaucoup de musées et de monuments à visiter. Vous avez également plein de parcs où vous pouvez vous reposer ou vous balader. Ce qui est fou à Vienne, c'est que tu tournes la tête à droite ou à gauche, t'as toujours un bâtiment énorme qui se dresse devant toi et c'est juste magnifique. En quelques minutes en métro du centre de Vienne, vous pouvez aller jusqu'à la tour du Danube qui possède un restaurant tout en haut et on peut aller manger avec une vue en 360 degrés. On va aller voir ça. J'ai oublié de vous dire que le restaurant tournait aussi à 360 degrés sur lui-même, ce qui est vraiment sympa pour admirer toute la vue.
qui est bien aussi, c'est d'aller voir un petit orchestre. Et si t'as pas envie de payer, tu peux le regarder à l'extérieur. Ce que je te conseille également, c'est d'aller sur un rooftop en soir. Comme ça, t'as une très belle vue sur la ville et c'est tout illuminé, c'est magnifique. Vienne est un vrai coup de cœur, j'adore la propreté de la ville, c'est tellement calme, personne n'est en stress, c'est très culturel également, il y a beaucoup de musées à visiter, c'est vraiment très très beau, il y a des bâtiments à chaque coin de rue, c'est juste magnifique, j'adore cette ville. Alors si t'as l'occasion d'y aller, n'hésite surtout pas.